Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Exilas Gaming et aujourd'hui, on se retrouve pour un ultra, méga, supra, hard parcours sur GTA V Online. Ça va être un parcours énormément compliqué. Regardez son nom, c'est un wall ride énorme. Bref, c'est un truc où en fait, on apprend de nos erreurs, c'est-à-dire qu'on le fait plein de fois et au bout d'un moment, on sait comment il faut passer. Mais c'est très dur, c'est très long avant d'avoir les points. Vous allez voir, ça va être hyper compliqué, mais ça va être cool. Allez les gars, c'est parti pour ce ultra méga supra hard parcours. Et franchement, je redoute un peu parce que je sens que ça va être galère. Je l'ai jamais fait, ça fait longtemps que je l'ai dans mes favoris, mais j'ai jamais osé vraiment le faire. Tout simplement parce que je sais que ce genre de truc c'est ultra compliqué. Mais j'avais envie de tester, j'en ai réussi un seul de ma vie pour l'instant. C'est pour ça que j'avais envie de tester ce genre de truc. J'ai mis la voiture blanche, pourquoi? Parce que ça va faire un peu plus de couleurs. Même si le parcours est déjà rouge et blanc, je trouvais que ça permet de bien voir la voiture et de pas confondre. Parce que d'habitude je mets rouge, on va dire rouge solaire, je crois que c'est ça. Mais c'est pas dingue, donc voilà. Allez, c'est parti pour le premier point. Donc il faut tenter. C'est comme ça qu'on y arrive les gars, c'est un enchaînement en fait. C'est très compliqué, je sais pas si ça va se voir là comme ça, mais c'est ultra compliqué. Ok, pour l'instant ça va, je gère. Ensuite, faut passer là. Là, le problème c'est que je sais, en fait on sait jamais où est-ce qu'il faut aller. C'est ça le problème de ce genre de parcours. C'est qu'on ne sait pas, vous voyez là je voulais monter, en fait c'est en bas. Et c'est mort. Oh, non j'allais dire peut-être, mais non c'est mort. Voilà, je crois que vous avez compris le principe les gars, ça va être ultra compliqué, ça va me prendre énormément de temps. Vous allez voir façon, je pense que dans 10 minutes voire 20 je suis encore là à ce point là. Peut-être pas, peut-être que je vais le réussir parce que j'ai quand même bien avancé du premier coup. Donc peut-être que si j'ai un peu de chance, je pourrais réussir à aller assez loin, on va dire pas trop lentement. J'espère que ça va pas me prendre trop longtemps, le parcours en général, donc tout. Parce que j'ai pas tellement de temps que ça, donc j'espère vraiment que ça va pas me prendre une éternité. Et j'ai le premier point en 1 minute 39, c'est un truc de dingue. Ok, bah c'est cool, franchement c'est cool. Je l'ai jamais fait, hein. Je vous jure les gars que je l'ai jamais fait. Ça pourrait paraître bizarre comme ça, mais vraiment je l'ai jamais fait, c'est hyper dur. Je galère à ce genre de truc, j'en ai fait un seul dans ma vie et je galère à chaque fois. Enfin, j'ai essayé d'en faire plusieurs, j'en ai réussi un si vous préférez, parce que j'en ai fait plusieurs, mais à chaque fois je me fail et je rage quitte parce que je passe une heure et après au bout d'un moment j'en ai marre, parce que ouais c'est trop long quoi. Mais là je pense que je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout, même si ça me prend très longtemps, parce que c'est quand même le but un peu de ce genre de parcours là sur la chaîne, hein. Si je le réussis pas, bah il n'y a aucun intérêt à essayer de les faire. Yes les gars, deuxième point, 5 minutes 32. Allez c'est parti pour la suite, je vais essayer de le faire un premier coup avec vous, j'avais passé d'élan. Faut que je reparte en arrière. Bah vous savez quoi, je respawn, c'est plus simple comme ça. Ouais, parce que je pars pas bien en fait, je suis mal parti, donc forcément ça va pas le faire. Ok, 5 minutes 32, j'ai fait 2 points sur, je peux pas regarder, 9 sur 12. Donc c'est quand même, on a l'impression que ça fait pas beaucoup, mais en vrai c'est ultra chaud, hein. Vous allez voir que je vais y passer quand même très longtemps. We'll be right back.
Oh les gars, troisième point, 12 minutes. Waouh, incroyable. Franchement, c'est ultra, méga, supra, dur. On dirait pas parce que là, j'y arrive assez facilement. Pourquoi? Me demandez pas, parce que d'habitude, j'en ai fait, je vous ai dit, j'en ai fait plusieurs, j'en ai réussi qu'un seul dans ma vie. À chaque fois, je galère comme pas possible. Vous savez quoi? Et j'ai même repéré, regardez, je vous montre, c'est, on part de là-haut, hein. Vous voyez le petit truc là, le tube, on partait de là-haut, un troisième point. Et je voulais essayer de gruger en sautant par là, j'avoue. J'ai essayé en plus, j'ai pas réussi, mais j'ai essayé. Mais après, je me suis dit quand même, c'est bête, bah, c'est dommage parce qu'en plus, je suis sûr que c'est possible. Et vous voyez, j'ai réussi 2 ou 3 minutes après, donc au final, il n'y a pas besoin de ça. Mais je vous assure que le parcours est très mal noté. Enfin, il est bien noté, mais je veux dire, il est dur quoi. C'est pour ça que les gens, ils n'y arrivent pas. Et donc, c'est pour ça, je crois qu'il y a 20% de réussite, même si c'est déjà pas mal en soi pour un parcours comme ça, j'avoue. Mais ouais, bon, faut que je me concentre, les gars. Donc, je vais arrêter de parler. On se retrouve dès que je passe le 4e point. Eh ben, waouh, les gars, je viens de terminer le parcours. Je croyais qu'il allait rester un point parce que j'étais à 10 sur 12. Eh ben non, l'autre point était là. Oh les gars, c'était incroyable en 23 minutes parce que là, je vais attendre un peu, mais je compte comme si c'était 23 minutes. J'ai mis mon ventilateur, donc vous allez peut-être entendre un petit bruit, mais j'en pouvais plus. Les gars, sérieusement, j'en pouvais plus. C'était abusé comme c'était dur. Là, le dernier point, là, j'ai galéré comme pas possible. Pourtant, ça m'a pas pris beaucoup de temps, j'avoue. Mais vous savez quoi, j'ai une théorie par rapport à ça. Je m'étais dit juste avant la vidéo que je voulais pas y passer 40 ans sur cette course. Parce que d'habitude, sur les courses comme ça, j'y passe vraiment plus d'une heure. Et c'est pour ça que j'arrête. Là, je m'étais dit que je voulais pas y passer longtemps. Donc du coup, je pense que mon cerveau s'est dit, hop, allez, vas-y, t'as pas trop de temps, tryhard. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tryhard et regardez où est-ce que je suis. Oh là là, je viens de faire le parcours, les gars, j'en reviens pas parce qu'il est extrêmement compliqué. Je vous le conseille, si jamais vous le connaissez pas. Regardez le nom en haut à gauche, vous le tapez dans Social Club et vous le mettez dans vos favoris. Voilà, vous tapez ce truc là et franchement c'est un truc de malade. Alors il y a marqué PS4 mais je suis sur PC avec une manette hein, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Il y a marqué PS4 mais ça change rien, c'est juste parce qu'ils disent que c'est beaucoup plus simple à la manette. Voilà, c'est juste que après je suis sûr que PC c'est possible, mais bon c'est beaucoup plus simple avec la manette. Waouh, c'était chaud patate, mais j'ai réussi, c'était incroyable, franchement j'ai kiffé. C'était très très dur, mais j'ai adoré les gars, c'était incroyable. Waouh, les vainqueurs, boum. Oh là 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 là, attendez, je coupe mon ventilo parce que j'ai plus trop chaud là vu que j'ai réussi. Bref, les gars, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, abonne-toi pour ne rien manquer. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye bye. Come on.